À quelle vitesse faut-il rouvrir l'économie? Jean-François Perrault est notre invité ce soir, économiste en chef de la Scotia à Toronto. Bonsoir, M. Perrault. Bonsoir. Quelles sont vos observations sur cet enjeu de réouverture de l'économie? Comment devrait-on procéder, selon vous? Écoutez, il est clair que l'enjeu économique est très important. Si on regarde la prévision pour le Québec, on anticipe une baisse de l'activité en 2020 d'autour de 9 %. Donc, c'est la même chose pour le Canada en son ensemble. Donc, il est clair que les mesures qu'on a mises en place pour contrôler la progression du virus ont un coût très, très important. Donc, il y a une presse, si on veut, à essayer de trouver une façon de réouvrir l'économie tout en minimisant la possibilité qu'il y ait une réoccurrence du virus. Et c'est là l'enjeu, c'est l'équilibre entre les pressions économiques et évidemment les mesures qu'on juge nécessaires, ou du moins que les autorités médicales jugent nécessaires pour maintenir, si on veut, le virus en échec. Et c'est loin d'être évident, malheureusement. Il ne faut pas aller trop vite, mais il faut rouvrir l'économie, selon vous? Ben, il faut essayer. Dans la mesure, si on regarde un peu ce qui se passe aux États-Unis, où il y a une différence de philosophie, là, si on veut, relativement au Canada, où, comme vous l'avez mentionné, les gens au Canada ont plutôt tendance à mettre de l'emphase sur l'aspect santé publique de la problématique. Donc, s'assurer vraiment qu'on a le virus en contrôle. Alors qu'aux États-Unis, ils mettent beaucoup plus de poids, du moins l'administration Trump, beaucoup plus de poids sur la réouverture de l'économie, peu importe un peu là, ce qui se passe au niveau de la santé publique. Mais le risque est que si les Américains font ce qu'ils font, c'est que, évidemment, la reprise qu'on attend au troisième trimestre, au quatrième trimestre, donc la reprise attendue en deuxième moitié de l'année, lorsque on réouvre l'économie, ben, elle risque de ne pas se matérialiser parce qu'on va se retrouver encore avec des mesures de restriction. Ouais. Ça va prendre combien de temps, selon vous, à rouvrir et à retrouver la pleine activité de l'économie canadienne? Très longtemps. Donc, il y a deux observations. La première, c'est qu'évidemment, dans la dynamique, on a une pénurie d'activité économique, si on veut, en première moitié de l'année, une accélération en deuxième moitié de l'année. Mais ça ne veut pas dire que l'accélération va faire en sorte qu'on va se retrouver au niveau d'activité précédent. D'après nos prévisions, on anticipe qu'on retourne au niveau d'activité qu'on a observé en fin 2019, seulement qu'en début 2022. Ah oui. Donc, malgré des taux de croissance très importants, il y a quand même un gros, gros manque à gagner. Écoutez, quand l'économie canadienne baisse de 40 ou 50 points de pourcentage en un trimestre, ça prend énormément de temps à retrouver cette perte d'output-là. Donc, si j'ai bien compris ce que vous avez dit, là, on va retrouver seulement au début de 2022 le niveau que nous avions à la fin de 2019, c'est ça? C'est ça, c'est notre prévision. On espère évidemment avoir tort. Allez-y. On espère évidemment avoir tort, mais c'est une question dynamique. Là. Il y a quand même pas mal de pression à la baisse sur l'économie actuellement. Oui. Et évidemment, des risques à la baisse sur l'activité en deuxième moitié d'année si on n'arrive pas à maintenir le virus en contrôle. Parlons de l'inflation. Chute de l'inflation en mars, puis la Banque du Canada prévoyait récemment un taux d'inflation même à 0 %. Est-ce qu'on s'en va vers une situation de baisse des prix, de déflation? Il est clair qu'au niveau de l'inflation totale, donc l'IPC total, comme vous l'avez indiqué, le prix du pétrole joue un rôle très important là-dedans. Donc, si on marie la baisse du prix du pétrole qu'on a observé avec l'augmentation de l'écart de production, donc la faiblesse de l'économie actuelle, on anticipe une baisse du niveau des prix au Canada au quatrième trimestre de 2020, au premier trimestre de 2021. Ça ne veut pas dire que c'est une situation de déflation. Si on extrait un peu l'élément du prix du pétrole de ça et regarde l'inflation tendancielle, on anticipe quand même une inflation au-dessus de zéro, là, autour de 0,5, 0,6, 0,7. Ah oui. Beaucoup plus faible que la Banque du Canada, mais quand même à un niveau relativement élevé comparé à zéro. Mais la baisse brutale du prix du pétrole, est-ce que, si je vous comprends bien, ce n'est pas un signe généralisé de déflation? Pas encore, non. C'est un signe généralisé de faiblesse économique, ça y est clair. C'est un signe d'un peu de malgestion de l'offre. Il y a eu une réponse vraiment bizarre dans ce marché-là qui était face au choc de demande qu'on a observé. Les producteurs ont augmenté la production de pétrole, donc ce qui est tout à fait loufoque. Mais ça a fait en sorte qu'on se retrouve dans une situation où le prix du pétrole a baissé de façon incroyable dans les derniers jours.
Mais ça, c'est un artefact un peu de la situation actuelle. C'est pas nécessairement un signe de pression déflationniste importante. On a souvent vu au fil du temps l'évolution du dollar canadien en fonction du prix du pétrole. Oui, le pétrole a chuté beaucoup au cours des dernières semaines. Le dollar canadien est passé de 75,76 à 70 cents. On a l'impression que le dollar canadien résiste à la chute du pétrole finalement. Pourquoi? Il y a deux choses qui se passent. Évidemment, le mouvement du prix du pétrole dans les derniers jours n'est pas représentatif du marché du pétrole en général. Donc, le fait que le prix du pétrole américain est passé à moins 30 quelque chose de dollars il y a deux jours, les gens ont perçu ça comme étant un espèce de mouvement temporaire. Et effectivement, aujourd'hui, on se retrouve avec un prix du pétrole américain qui est autour de 14-15 dollars ou 20 dollars dépendant du contrat. Donc, il y a un élément de prévision là-dedans qui fait en sorte que les gens n'anticipaient pas que le prix du pétrole demeure aussi faible qu'on l'a observé dans les derniers jours. Donc, on regarde un peu à travers ça. L'autre élément, évidemment, c'est le VIX, qui joue de façon très importante sur le dollar canadien. Donc, les mesures d'incertitude dans les marchés. Et ces mesures-là sont relativement stables depuis la dernière semaine ou deux. Donc, ça donne un support au dollar canadien aussi qui est influencé par les indices. Le VIX, qui est l'indice de volatilité hein, que les acteurs du marché suivent de près. Merci, M. Perrault, pour cette analyse ce soir. Avec plaisir, merci.